fête nationale de l'Allemagne à Port-au-Prince. Pourquoi parlons-nous de l'Europe? Pourquoi le troisième drapeau? Pourquoi l'hymne européen? Pour moi, c'est évident, parce que tous ceux parmi nous aujourd'hui qui ont un passeport allemand, français, néerlandais, polonais, tous ceux-là sont aussi des citoyens européens, des citoyennes européennes. Aussi parce que pour l'Allemagne, l'Union européenne s'inscrit dans la Staatsraison, la raison d'État. Et personnellement, parce que moi, comme Berlinois, je me souviens des Invalides dans les rues de Berlin. Je me souviens, comme j'ai demandé à mon papa, pourquoi il n'avait qu'une seule jambe? Pourquoi il portait des lunettes de soleil pendant la nuit? Pourquoi les façades des maisons avaient tant de trous? Et pourquoi il y avait un mur au milieu de mon cité? Depuis les années 50, nous, les Européens, avons construit une union supranationale basée sur le droit et la démocratie. Une union afin de mettre fin à la guerre entre nos peuples, afin de mettre fin à l'intolérance et au nationalisme. Nous avons beaucoup accompli sur ce chemin. Le prix Nobel de la paix reçu en 2012 en est un symbole. Mais aujourd'hui, face aux populistes de droite et de gauche, la volonté de défendre ces succès historiques fait trop souvent défaut. Mais nous, les citoyens européens, nous devons le dire. Nous devons défendre ce projet, notre projet. Toujours et partout, aussi à Port-au-Prince. Sinon, nous risquons de perdre le milieu de notre histoire. Nous risquons de perdre la paix. Ou autrement dit, la déclaration de Berlin des présidents des institutions européennes prononcée en 2007, une déclaration, ça garde toute sa vérité. Notre chance, c'est d'être unis. Ou dans la langue de Goethe, wir sind zu unserem Glück vereint. La date du 3 octobre nous rappelle qu'avec un peu de volonté, les hommes peuvent créer les conditions d'une paix effective et durable. Chez nous, en Haïti, nous avons grandement besoin d'une paix qui nous permettra d'organiser avec calme et confiance les prochaines élections présidentielles et législatives qui constituent une étape importante vers la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Monsieur l'ambassadeur, à l'orée de votre mission en Haïti, je voudrais profiter de l'occasion pour vous renouveler mes voeux de succès et vous réitérer mon message. Travaillons ensemble pour le raffermissement et le renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent la République d'Haïti et la République fédérale d'Allemagne pour le bonheur de nos deux peuples et de nos deux pays. Je vous rappellerai que la coopération allemande s'est particulièrement manifestée en Haïti dans les domaines d'intérêt stratégique national et constitue un précieux apport à son développement économique et social. Aujourd'hui encore, nous avons accueilli avec satisfaction la manifestation de la solidarité du gouvernement allemand envers le gouvernement haïtien dans cette dure épreuve éprouvée par le peuple haïtien suite au passage des 3 et 4 octobre dernier de l'ouragan Matthew. Nous avons été en effet très sensibles au message de solidarité du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence M. Frank-Walter Steinmeier, qui s'est exprimé en ces termes. Il va de soi que l'Allemagne, en ce moment difficile, sera du côté de la République d'Haïti, tant sur le plan bilatéral, ainsi avec ses partenaires européens. Je vous demanderai, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir lui transmettre, tant en mon nom propre qu'en celui de mes compatriotes, mes vifs et sincères remerciements pour cet élan de solidarité. Monsieur l'ambassadeur, en cette solennelle occasion de la commémoration de la fête nationale de la République fédérale d'Allemagne, je voudrais vous demander de transmettre également les vœux de paix, de progrès et de prospérité continue que le président de la République, son Excellence M. Joslem Privert, le Premier ministre, son Excellence M. Enek Jean-Charles et le peuple haïtien
formule à l'endroit du président de la République fédérale d'Allemagne, Son Excellence M. Joachim Gauck, au chef du gouvernement, Son Excellence Mme Angela Merkel et au peuple allemand. Vive la République d'Haïti, vive la République fédérale d'Allemagne, vive l'unité allemande et vive l'amitié et la coopération haïtiano-allemande. Joachim Gauck. Maria est une femme de foi, une femme humble et infatigable qui a donné sa vie pour la cause des malades et des plus petits. Et c'est pour cette raison que le président de la République fédérale d'Allemagne a conféré l'ordre de mérite à Maria Fadenauer. Gerne.